Vincent, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Moi, il est venu évidemment en RP, d'un endroit que je connais, en fait, que je connais plus parce que c'est tellement moderne. Ouais, l'infrastructure a évolué. Et, je pense que le club a encore des ambitions là-dedans, mais ça permet de créer un petit peu aussi ce sentiment de. Parce qu'il y a toujours beaucoup de demandes par rapport à ce qu'il faut prester sur le terrain. Mais je pense aussi qu'il faut créer un environnement sans excuses et cet environnement nous permet aussi de travailler de manière totalement professionnelle. On connaît ta carrière de footballeur, on ne doit plus vraiment en parler. Mais moi, j'aurais voulu savoir comment tu as pris ta décision pour devenir coach. Ça s'est fait en deux étapes. Je pense la première étape, c'est quand je décide de quitter City. Et je pouvais rester, je pouvais continuer encore à être dans une zone de confort et terminer encore plus tard. Mais je sentais qu'avec les blessures que j'avais eues, et chaque fois remonter la pente, c'était de plus en plus difficile. Et de le faire dans un club de ce niveau-là aussi, c'était pas facile. Mais bon, je connaissais l'environnement, donc je pouvais continuer. Et dans ma tête, je m'étais déjà préparé pendant longtemps pour l'étape suivante, en fait. Ah, donc tu savais que tu allais devenir entraîneur? Ouais. Depuis quand? Le premier jour où j'ai rencontré Pep. Et c'est pas pour devenir une copie de lui du tout, mais c'est... le premier entraîneur, j'avais 30 ans, le premier entraîneur qui vient m'expliquer pourquoi on faisait les choses. Pourquoi est-ce qu'on court à gauche, pourquoi est-ce qu'on court à droite, pourquoi est-ce qu'on met une passe de l'intérieur du pied, pourquoi est-ce qu'on doit prendre une certaine position quand on attaque et une certaine position quand on défend. Ça a créé un déclic qui m'a poussé à voir le jeu complètement différemment. Et j'ai rajouté ce que moi je pense être réaliste pour le niveau où on est et pour les joueurs qu'on a, mais la manière de voir le jeu, la manière de décortiquer le jeu, c'est grâce à lui. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, avec ça, je sais faire quelque chose. C'est pas juste aligner les meilleurs joueurs ou c'est pas juste motiver les joueurs. Il y a aussi une logique là-dedans. On est assis ici sur un banc. Ouais. C'est ta vie aujourd'hui. Ouais. Pas d'être assis, tu es souvent debout. Je pense pas que j'ai déjà été assis. Comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu te sens sur un banc? Évidemment, c'est différent sur le terrain. Aujourd'hui, sur un banc, comment toi tu te sens? Il y a deux coachings différents. Il y a le coaching pendant le Covid, où tu peux, comme à l'entraînement, parler à toute l'équipe et dire tout ce qu'ils doivent faire, et c'est super simple. Il y a le coaching actif pendant le championnat et puis il y a la finale de coupe aussi. Donc, ce qui était marrant pendant le Covid, je pense que juste avec ta voix, tu pouvais faire peur aux adversaires. Ils perdaient le ballon parfois juste parce que tu cries, tu dis « Allez, go, presse, presse, presse !» Tu sens que les joueurs pensaient qu'il y avait plus d'hommes autour d'eux et ressortaient le ballon. C'est comme si tu étais prêt sur toi-même sur le terrain ou quoi? Ouais, mais c'est pas possible quand le stade est rempli. On parlait tout à l'heure d'influence. Évidemment, on l'a dit, Guardiola. Je sais que tu regardes le foot tout le temps, tu es très foot. Klopp, Zidane, Conte, ça te dit des trucs? J'adore Klopp parce qu'on a joué contre Liverpool dans les moments les plus importants de ma carrière. C'était chaque fois avec Liverpool comme adversaire et je sais à quel point c'était difficile de jouer contre Liverpool, donc je sais à quel point ce qu'il fait est exceptionnel. Donc j'adore la manière d'organiser le pressing et les comptes de Liverpool. Donc pour moi, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas juste... Tu essaies de voir les meilleures choses de partout. J'adore la manière de défendre dans les 16 mètres de l'Atlético Madrid, toutes les séances qu'ils ont autour de Alors ça. Alors qu'ils sont critiqués pour ça? Non, moi j'ai un respect énorme. Après, moi je ne vais jamais dire qu'une équipe joue du mauvais football. Chacun joue avec ses armes. Si ce n'est pas clair, à ce moment-là, je peux poser des questions. Mais chacun a sa manière de voir les choses. Et puis, si une équipe veut construire ou si une équipe veut jouer un certain football, il faut juste avoir les principes de cette équipe. Si tu veux défendre bas, il faut avoir la grinta de l'Atletico, sinon tu ne défends pas bas. Et c'est tout ce genre de choses-là où j'ai énormément de respect pour ces différentes philosophies. Est-ce que tu te vois un jour comme Deschamps, Laurent Blanc, qui ont été des internationaux et qui ont entraîné l'équipe de France? Est-ce que tu te vois un jour entraîner l'équipe nationale belge? Ce qui se passe, c'est que tu commences avec comme ambition de coach aussi, et ça je parle avant d'arriver à Anderlecht, avec comment est-ce que je peux arriver à atteindre le plus haut, le plus gros. Mais une fois que tu es les pieds dedans, je ne peux pas dire que j'ai pensé énormément à l'après Anderlecht. Ça consomme tellement d'énergie, de temps
Et là, pour l'instant, le plus important pour moi, c'est de faire en sorte qu'Anderlecht soit minimum un petit peu au-dessus quand même de ce que au niveau de notre niveau de finance pour l'instant. Et si on arrive à être au-dessus de ça, je sais que c'est une question de temps avant qu'on on relance la machine. Et j'essaye de faire en sorte que la machine puisse se relancer ou de faire partie des personnes en tout cas. Je suis juste une partie du puzzle. Je pense que souvent, c'est un feeling. Tu ne deviens pas coach de l'équipe nationale, je pense juste pour être coach de l'équipe nationale. C'est un feeling. Est-ce que tu sens qu'il y a un groupe qui peut faire quelque chose? Est-ce que tu sens qu'il y a une bonne génération? Est-ce que tu as un feeling que c'est le bon moment? Moi, pour l'instant, ce serait pas une bonne étape dans ma carrière parce que au plus je suis sur le terrain, au plus je dois me prendre des raclées avec des finales perdues ou des matchs gagnés, des matchs compliqués, des décisions compliquées. C'est la manière d'évoluer le plus rapidement. Et aujourd'hui, je suis encore dans une phase où je veux progresser très rapidement et tous les jours. Et qu'est-ce que tu pourrais dire au groupe pour la Coupe du Monde au Qatar? Quel conseil? Il faut y croire. De toute façon, je pense que le rôle de favori, c'est plus eux, mais ça peut être aussi positif. De ne pas se mettre de la pression, juste d'y croire, d'aller dans chaque match avec jusqu'à la dernière minute l'ambition de créer quelque chose. Et puis, la chance peut être de notre côté aussi. Et voilà, d'y croire. Vincent, on va rester sur ces mots. Vincent en compagnie, il croit tout le temps. Il croit pour Anderlecht. Ouais. Il croit pour un jour City. Il croit pour l'équipe nationale. Il croit au football. Ouais, toujours. Merci Vincent.